Je voudrais maintenant vous présenter le premier mode. Et comme il n'y a rien de mieux que d'entendre, je vais vous chanter quelques intervalles, quelques notes, pour que vous puissiez entendre ce premier mode. Peut-être que certains feront des isones. Alors, un mode, il est souvent introduit par une petite formule qu'on appelle apihima. C'est une formule d'introduction du mode. Et là, pour le premier mode, on peut prendre ananès. Alors, ça fait... ananès. Ensuite, on va regarder la gamme. Alors, on a des intervalles qui ne sont pas tout à fait ceux du piano. Donc, il y a une alternance entre grand ton, moyen ton et petit ton. Voilà. Et puis, il y a une chose très particulière dans ce premier mode, comme dans tout les modes diatoniques, c'est que quand on s'élève au-dessus du si aigu, eh bien, il est naturel. Ou alors, quand on va au si aigu et qu'on y reste assez longuement, autrement, il est bémol. Et quand on monte au-dessus du si et qu'on redescend en dessous du si, il redevient bémol. Alors, ça va vous donner ça. Alors, je donne les noms des notes en musique byzantine. Hein. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça va faire pa, vu, ga, di, ke, zoni. Pa, vu, ga, di, ke, zoni, pa, pa, ni, zo, ke, di, ga. Vous avez vu que le mi se rapprochait du ré. Vous avez vu aussi que l'intervalle entre si et do est plus grand que le demi-ton. Et l'intervalle entre mi et fa est légèrement plus grand aussi que le demi-ton. Voilà, alors la première pièce qu'on chante dans ce mode, qui, je le rappelle, donc est un mode diatonique, et diatonique doux, hein, avec ces intervalles dont on vient de parler, c'est ce qu'on appelle la stichologie. Stichologia. C'est-à-dire, ce sont des psaumes qui suivent les deux grands chants du début, qui sont les Kekragaria, mon chant de Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Et là, c'est la suite du psaume 140, 141 et 129, avec établi Seigneur, une garde à ma bouche, éveille sur la porte de mes lèvres, ne laisse pas mon cœur incliné vers le mal, etc. Oh.
s'approche qui